Bienvenue dans ce nouvel épisode. On part ça tout en douceur cette semaine. J'ai choisi un peu le bon endroit pour te parler en introduction, juste à côté d'un skatepark. Alors, les petits bruits que t'entends en fond, c'est les oiseaux et des gens qui font du skateboard. Cette semaine, on a fait des rencontres super inspirantes que j'ai envie de te partager. On a découvert des magnifiques paysages, on a battu de nouveaux records, et oui, encore une fois. Je pense que c'est probablement le plus haut sommet qu'on va faire de tout le voyage. Et une petite part de mes aventures, vraiment un épisode comme on les aime. Bon épisode. Ouah, c'est chaud. Nous, c'est Jade et Yannouk. Nous avons tout quitté pour partir sur les routes du monde. Notre objectif est de rejoindre la Malaisie depuis la France à vélo. Chaque semaine, on t'invite dans notre quotidien pour vivre nos aventures les plus folles les unes que les autres. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Cette semaine, nous arrivons enfin à notre objectif. Après avoir poussé nos vélos jusqu'au sommet à plus de 3250 mètres d'altitude, dans une pente à 30%, disons que nous sommes bien heureux d'arriver dans les plaines. Bon matin! Aujourd'hui, on se fait réveiller par des vaches un petit peu trop territoriales. Ils n'ont pas l'air très contentes de nous voir ici, et pourtant, c'est elles qui sont venues à nous. Aujourd'hui, c'est officiel, on se rend au lac. Mais on n'a que quelques kilomètres à faire dans de la piste des 4x4 et on est rendu. C'est complètement fou. On est là puis on roule dans un petit chemin de terre perdu dans les collines kirghizes à travers les yourtes et les chevaux. C'est vraiment magnifique. Oh, on approche vraiment rapidement du lac. Ça va être vraiment cool. Alors, on s'est posé dans un petit village de yourtes pour le dîner. C'est plutôt cool. Bon, c'est vraiment plus cher que partout ailleurs. Mais en même temps, il n'y a absolument rien, nulle part. On n'a pas vraiment le choix. Puis depuis les derniers jours, on fait que manger ce que nous, on cuisine. Ça nous a franchement fait du bien pour l'estomac. Mais on avait envie de retrouver un peu de nourriture kirghize. Et là, on est posé dans ce magnifique décor. Vraiment, c'est trop beau. C'est plutôt pas mal, hein? Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on mange? On mange des mantis au bœuf avec une salade de légumes. On pensait se poser pour quelques jours ici au lac, mais c'est tellement aride, il y a tellement absolument rien. Il y a même pas d'arbres, en fait, il y a pas d'ombre. Et on va probablement manquer de nourriture si on veut rester ici sans pédaler, parce qu'on est quand même à plus de 100 km du prochain point de ravitaillement. Alors on en profite quand même, nos petits mantis, aujourd'hui. Mais avant de poursuivre l'aventure, nous aimerions remercier nos nouveaux contributeurs Patreon. Merci à José Paquette, Bruno, André Déhay, Kervoli Desjaguer, Claudine Prêcheur, Hélène Moreau, Jean-Paul Paquette, Jean-Baptiste Fourneau et Richard Déhay. Merci énormément de soutenir l'aventure. Bon, on est toujours sur la route et je te montre un peu à quoi ça ressemble les magasins qu'on peut trouver ici au lac Sonkoul. Il faut le savoir,
C'est que des yourtes, alors ils sont tous pareils, presque. Ça court pas les rues. D'ailleurs, il n'y a pas de rue. Je te montre. Ça, c'est notre magasin pour se ravitailler, on pense. Des bonbons! Alors, qu'as-tu trouvé? Du Fanta, du thé glacé, du papier toilette, des biscuits. Tellement cher, mais on s'en fout. J'en rêve depuis des jours. Ça faisait moins du bien, là. Je pense qu'on vient d'acheter notre rouleau de papier de toilette le plus cher à vie. Combien? 120 sommes. 2$. Ah, le rouleau? Le rouleau. Ouais. L'une des choses vraiment cool de ce pays, c'est qu'on vient de trouver la yourte où qu'on peut acheter de la nourriture, et bien on va camper juste devant. Alors on a décidé de s'arrêter juste ici. Juste ici. Malgré l'absence de route goudronnée, nous avançons plutôt bien. La vue est splendide et nous passons du bon temps à profiter du lieu. Ce lieu est si vaste et inhabité qu'il est facile de poser notre maison n'importe où. Bon, fallait que ça arrive un jour, la tante a décidé de rendre l'homme. Le problème que j'ai essayé de résoudre, ça n'a pas tenu. Et là, ça allait vraiment empirer. Je te montre un peu à quoi elle ressemble. Ça lui donne un nouveau look. Alors, ma dernière solution d'urgence, le fameux duct tape qui sert à tout. En fait, c'est que j'ai juste mis beaucoup de duct tape pour que ça tienne. Mais ça garde pas la shape originale. Voyons voir si je mets les piquets. Est-ce que ça va être mieux? Je me croise les doigts. Bon, une fois qu'on a mis le toit et qu'on a piqué la tente, c'est déjà un peu mieux. Mais c'est pas top, là. En fait, ce n'est plus une tente autoportante. L'endroit où c'est brisé, ça exerce beaucoup de pression sur la toile. C'est pas optimal. Si jamais il pleut, je suis pas sûr que c'est assez tendu pour éviter que les deux couches se touchent et que finalement on prenne l'eau. Enfin bref, c'est quand même mieux que rien. Prendre le temps de s'arrêter un petit moment parce que c'est magnifique. On fait juste, en fait, malgré la route qui est un peu dégueu, on est quand même vraiment creux dans les montagnes et on le ressent particulièrement ici parce qu'il y a des chevaux, il y a des yaks, il y a des chameaux, il y a des moutons en quantité industrielle qui se promènent un peu partout librement. Et là, nous, on est là, on pédale à travers eux et les montagnes enneigées avec la neige éternelle. C'est magique. Notre équipement commence à montrer de sérieux signes de fatigue. Je dois réparer une seconde fois mon matelas, mais heureusement, les enfants m'aident à trouver la fuite dans la rivière. Après avoir fait le tour du lac, il est maintenant temps pour nous de retourner dans la chaîne de montagnes pour poursuivre notre route vers d'autres aventures. Décidément, c'est
pas mal la période pour battre de nouveaux records. On est rendu à 3447 mètres d'altitude parce qu'on est en train de sortir du lac de Suncool. On doit encore traverser une chaîne de montagnes, mais c'est beaucoup plus facile que quand on est entré. C'est du 8% maximum, alors on est quand même capable de pédaler. On sort de cette montagne et ensuite la descente jusqu'en ville, là où on va pouvoir enfin avoir de quoi se nourrir. Et parce que là, ça fait plus d'une semaine qu'on n'a pas d'internet et qu'on n'a pas d'asphalte. Allez, il nous reste qu'à descendre. Et je pense que c'est probablement le plus haut sommet qu'on va faire de tout le voyage. 3447 mètres, c'est énorme. Je sais pas si tu le sais, mais c'est franchement haut. Et à vélo, ça en demande de l'air. Là, je pense qu'on a un petit step d'endurance, là. On a un petit peu monté, là. Est-ce que t'as le petit bonbon? Oh, t'as besoin d'un bonbon? J'ai besoin de sucre, je vais m'évanouir. Et ce que tu vois derrière moi, c'est bien de la neige. Bon, là, tu me crois, là, qu'on est où? Parce que là, c'est quand même intense, en plein mois de juillet. Un gros banc de neige. Oh yeah! On la voit peut-être pas à la caméra, mais genre, elle est là-bas. Tout là-bas. Regarde-moi ça, dans quel paysage elle est en ce moment. C'est magnifique. Yes, sir! Asphalt! Asphalt! Oh, what a day to be alive. Oh, no, the eggs! Yeah. So it's thin, then? It's only an egg. I can crack it here, though, no? You could just cut it in half, chop all the eggs in and duct tape it up. Like this? Yeah. But it's just gonna take the egg yolk. Oh, no. Yeah, that's good. Not bad. Yeah. Maintenant en basse altitude, nous revoilà confrontés à la chaleur et surtout la route misérable. Nous subissons des nuages de poussière en pleine face par la traînée des voitures. Sans aucun vent pour nous rafraîchir, les mouches tournent autour de nous sans arrêt. Nous sommes de retour sur des terres arides. Nous gardons le cap vers la capitale du pays. Ok, là il y a un délai. Il y a quelques jours j'ai posé la caméra. Alors il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées durant cette pause. Entre autres, on a fait 40 km à partir de la ville où on est présentement jusqu'au lac Lesicool avec Ash et Shivali finalement qui ont décidé de tracer le lac. Et nous on a décidé de faire demi-tour avec nos amis Damien et Monica qui eux se rendent à Bishkek et finalement il n'y avait pas grand chose à voir au niveau du lac sur la route du nord. Alors on a plutôt décidé de prendre la route avec eux et de se rendre à Bishkek. C'était pas du tout prévu, mais on est plutôt content de notre choix après ce que Ash et Shivali nous ont dit, ça vaut pas super la peine. Alors voilà, on reprend la route avec nos nouveaux amis. En fait je dis nos nouveaux amis, mais ils sont pas nouveaux du tout, on les a rencontrés la première fois pour fêter Noël. Alors il y a un débat ici, il y a des gens qui partagent la brosse à dents. Vous n'êtes pas dans cette équipe-là? Non, jamais de la vie. Là, ils rentrent dans notre intimité, mais ça va pas ou quoi? Mais par contre, vous partagez votre déo. Ouais. Et le pire, c'est un déo que Damien a trouvé dans un auberge. Oh non! C'est vrai. Oh, ça, vas-y, ça, tu coupes direct. Et ce qui est plutôt drôle, c'est que Damien et Monica, on les a rencontrés en Crète, en Grèce, pour fêter Noël. Et on les a rencontrés après en Turquie, à Lüleburgaz, on les a revus encore en Turquie, au Cappadoce. Enfin bref, on se croise toujours, mais on n'est jamais à vélo ensemble. Et c'est maintenant que ça se passe, on est plutôt contents. Et là, présentement, on s'est arrêté ici dans un petit kiosque pour manger. Et laisse-moi te dire qu'on trace vraiment avec un beau vent de face en plus, mais on est sur l'autoroute, alors mine de rien, c'est plat, c'est tout droit. Et ça y est, on a atteint les 9000 km parcourus depuis le début. Bon, tu vas me dire, en 13 mois de voyage,
C'est pas tant. Ben non, c'est pas tant. On en profite vraiment. On n'est pas du genre à pédaler des centaines et des centaines de kilomètres par jour. D'ailleurs, on n'a jamais pédalé plus de 100 km dans une journée. Alors, c'est pas tant les kilomètres parcourus dont on est fier, mais plutôt le temps qu'on est en voyage. On est plutôt fier que ça fait maintenant presque 13 mois qu'on voyage à temps plein. C'est chouette parce qu'ils ont vraiment un système de filtration à eau super pratique. En gros, c'est juste un gros sac avec un filtre à l'intérieur et par la gravité, il filtre. Combien de litres? Il filtre 2 litres à la minute. Plutôt efficace pour rien faire sans effort. Et on fait ça pour une raison bien simple. On s'est arrêté à la mosquée du village pour aller chercher de l'eau. C'est un truc qui est plutôt cool. On a juste à s'arrêter dans une mosquée et pour vrai, la majorité du temps, il y a de l'eau potable. Alors on la filtre et ça nous évite d'acheter des bouteilles de plastique en quantité industrielle. Malheureusement, un des côtés négatifs de voyager à vélo, on ne l'a pas assez montré, mais c'est que oui, il y a une part d'écologie de voyager à vélo, on n'utilise pas de carburant et tout, à part pour le réchaud, mais c'est une infime quantité. Mais en fait, le côté négatif de voyager ainsi, eh bien, c'est qu'on achète beaucoup de nourriture suremballée. Alors, on produit beaucoup de déchets, je trouve, parce qu'on ne peut pas acheter en grande quantité, on ne peut pas se permettre de transporter énormément de nourriture, donc on est toujours en train d'acheter en petite quantité. Mais bon, on se rachète un peu en filtrant l'eau et en évitant les bouteilles de plastique. Voilà, on termine cette journée. Une journée durement menée, fièrement menée. 80 km aujourd'hui. On a fait beaucoup plus que ce qu'on pensait. En fait, on pourrait rejoindre Bishkek demain, mais on va le faire en deux jours pour garder un rythme beaucoup plus relax. Et ça s'annonce pas terrible demain, la grosse pluie. Et on discutait autour du repas et en fait, on n'a pas utilisé notre matériel de pluie depuis la Turquie. Alors, on est quand même chanceux, on touche du bois. Mais bon, un petit peu de pluie demain, je pense qu'on est dû. Bon, je pense qu'on le mérite maintenant. Et ce soir, on est plutôt bien, malgré le fait que, sans le savoir, on a installé le campement entre 15 et 30 mètres d'un cadavre de mouton qui pue littéralement la mort. Alors on est là, on prend le souper avec l'encens au milieu. C'est une facette du voyage à vélo, hein. Mais à cause de la petite pluie de tout à l'heure, on n'a pas senti les odeurs. Et là, ça pique dans le nez. Tu connais les campeurs du dimanche, hein? Qui campent à côté des carcasses et qui se mettent des encens dans le nez pendant qu'ils mangent. Et là, ça dégénère parce que notre tente s'empire. En fait, le fait que l'arceau ne tienne plus, ça met de la pression sur l'autre arceau. Et l'autre arceau a décidé de, lui aussi, sacrer son camp. Ce qui fait que là, la tente, elle est encore pire qu'elle était. Bon, on vient, après avoir essayé de faire une demande de garantie avec Nemo, eh bien, ils peuvent nous envoyer les pièces qu'on doit payer. Mais ils nous les envoient au Canada. Fait que c'est super pratique. Et là, on regarde pour une nouvelle tente. Ben, évidemment, une tente pas trop chère. Le jardin est rendu à regarder des tentes beaucoup trop spacieuses. Avec le balcon, la douche intégrée, 3 places minimum, 4 places, qu'on peut être debout dedans. Le gros luxe, hein. Notre tente est encore bonne, en fait. Si on remplace les pièces défectueuses, elle fonctionne encore super bien. Ce qui veut dire que si on achète une autre tente, eh bien, je vais devoir la traîner. J'ai traîné deux tentes. Bon, on a quand même commencé le voyage avec un spike ball, je devrais peut-être m'en sortir. Et ça pue jusque dans notre tente. Ça va être chouette. On vous rend visite dans votre tente, puis c'est une tente enfumée. Vous ouvrez la porte. Vite, vite! Rentre, rentre, ferme, ferme, ferme! Ouais, c'est ça. Oh non! Bon, allez, bonne nuit. Bon matin, ma chérie. Bon matin. Bon, voilà la tente à quoi elle ressemble. L'autre poteau a pété aussi. Belle surprise ce matin. Crevaison. Il y a plein d'épines partout. Mais l'affaire, c'est que j'avais pris de l'avance sur notre concours de crevaison parce que tu te souviens qu'on a un concours de crevaison. En fait, c'est simple. La personne qui obtient le plus de crevaison durant le voyage se doit d'accomplir une conséquence. Bien, depuis qu'on a acheté nos pneus marathon, eh bien, on n'a jamais crevé.
jamais dire jamais. J'ai hâte de crever il y a quelques jours et moi j'étais très heureux de prendre de l'avance dans le concours et finalement j'ai hâte de... C'est égalité maintenant. On est rendu à 9-9, ça part bien une journée, hein? Ça fait déjà plusieurs heures qu'on attend ici nos amis qui ont décidé de traverser la frontière pour le Kazakhstan. En gros, le fait de sortir du Kirghizistan pour aller au Kazakhstan et puis ensuite re-rentrer au Kirghizistan, ça leur permettait, question de visa, de rester assez longtemps dans le pays. C'est quand même drôle de penser que tu peux juste faire ça en une journée. Fait qu'ils sont, ils ont fait un petit tour au Kazakhstan puis ils sont revenus. On les attend ici et on est à quelques dizaines de kilomètres de Bishkek. Ça s'est super bien passé malgré la chaleur parce que oui, on a quitté les montagnes et depuis, il fait très chaud. On a goûté la spécialité locale. On sait qu'ils ont aussi des lagman et des champignons. Ah, c'est vrai, vous n'avez pas été au Kazakhstan? Si. Quand? Ah oui, non, mais c'était pareil, c'était traversé. Ah, ok. Les frontières. Ah, voilà. Autant de pontes neuf. Et voilà, un bout de bois et c'est réglé. Amiens, ça fonctionne bien hein, ton bout de bois? Bah ouais, révolution. Innovation technologique du 21e siècle, le bout de bois. Bon, il y a quand même Monica qui fait exception à la règle. Elle a sa béquille depuis le début du voyage. Ouais, béquille d'origine et aucun souci. Juste de temps en temps se visser un peu les vis, mais voilà, coup des chances peut-être. On touche du bois. Ouais, c'est clair. Les bagages sont pliés, on est prêts. Les derniers 20 km pour atteindre Bishkek. Oh, les petits papis! C'est mignon, hein, mais je préfère les chats, moi. C'est super triste, en fait, parce que c'est quelqu'un qui a déposé les chiots et sûrement le petit chat sur le bord de la route, parce que pas très loin, juste à côté, il y a une boîte de carton avec un petit chiot qui est décédé à l'intérieur. C'est vrai que je pense pas qu'il était là hier. En tout cas, on les aurait peut-être vus. C'est vraiment très triste. Régalez-vous, les poppies! Ça y est, on est rendu à la capitale du pays, on est à Bishkek. On va y passer, on va y passer 5 jours environ pour bien se reposer avant de partir pour Almaty. Et là, on est plutôt content d'être dans une grande ville, ce qui n'est pas le cas habituellement, parce que voyager à vélo, c'est pas tant les grandes villes qui nous attirent, mais là, particulièrement depuis qu'on est en Asie centrale, on est content de retrouver la civilisation, entre autres pour pouvoir manger de la diversité. Et ça, c'est plutôt cool. Et voilà! Oh, merci! La communauté de cyclistes s'agrandit.
on est avec trois malades qui décident de faire la Silk Road Mountain Race qui se représente 1900 km en 15 jours avec 37 000 mètres de dénivelé. C'est des malades, c'est une course incroyable dans le sud du pays, en fait qui part de Hoche et qui va jusqu'à Bishkek. Et bref, on partage nos expériences, c'est vraiment très cool. Ok, pour terminer cette vidéo cette semaine, j'avais envie de te présenter deux personnes extraordinaires, Tristan et Belen, qui, je ne le cacherai pas, m'ont inspiré pour faire un tour du monde à vélo. Et c'est un immense honneur d'être avec eux ici à Bishkek. Hey, I'm Tristan. I'm from the Netherlands. And I'm Belen. I'm from Spain. We are both bikepacking photographers, route designers, adventure cyclists, video creators, a bunch of other things. Yeah, sometimes just crazy people that get lost on the roads. Yeah. Aujourd'hui, ils créent des itinéraires dans le sud du Kirghizistan. Non seulement tu peux voir en vidéo leur voyage, mais tu as aussi accès à la route sur Komoot. Vraiment, ils font un boulot incroyable. Allez, continue à nous inspirer, chers amis. Je te laisse le lien en description pour aller voir leur chaîne YouTube respective. C'est incroyable. Et pour nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye! Merci beaucoup! Au revoir! Ciao!